Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mardi 5 juillet, soyez les bienvenus pour suivre ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF pour l'émission d'aujourd'hui qui sera la dernière de cette saison. Nous allons nous intéresser aux trajectoires professionnelles des cadres et aux liens avec la formation. Ces trajectoires sont peut-être moins uniformes et standards qu'on l'imagine. Et si toutes ces trajectoires passent par la réussite à un concours, elles se construisent aussi dans le rapport intime que chaque personne entretient avec son activité professionnelle, dans un rapport permanent au savoir et au désir d'engagement au sein du service public. Nous verrons justement que ces liens entre trajectoire des cadres et formation s'inscrivent aussi dans un temps long qui déborde largement les moments visibles de la préparation au concours ou de l'adaptation à l'emploi. Et ce rapport permanent à la formation a été rappelé notamment quand les engagements du Grenelle de l'Éducation en 2021 qui ont pointé l'intérêt d'un développement de la formation initiale et continue pour l'apprentissage tout au long de la vie, et pour l'accroissement de la professionnalité, pour la construction d'une culture commune ou encore pour le soutien aux transitions professionnelles. En 2022, les écoles académiques de la formation continue parachèveront cette ambition en dotant les académies d'une stratégie et d'un outillage pour la formation des personnels, y compris celle des cadres. Et l'IH2EF, où nous nous trouvons actuellement, complète ces dispositifs avec une offre de formation initiale, continue ou experte pour l'ensemble des cadres de l'enseignement scolaire et supérieur. Cette offre s'ouvre également à un vivier. Ce sont des professionnels qui projettent d'exercer à terme une mission d'encadrement ou de prendre des responsabilités nouvelles que l'IH2EF accompagne avec les académies dans la construction de leurs projets. Cet appareil de formation, entre guillemets, doit aujourd'hui répondre à un double défi. Premièrement, son adaptation à une demande qui s'exprime pour une formation porteuse de sens, en appui de dynamique personnelle. Et dans un second temps, le développement de la gestion des ressources humaines qui doit proposer et valoriser des trajectoires au service des organisations. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, avec nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs intervenants à distance, à commencer par monsieur Jean Pralon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en gestion des ressources humaines et exercez à l'école de management de Normandie. Votre spécialité est l'étude sur les carrières et vous vous présentez volontiers comme chercheur en carriérologie. Vous nous animez par ailleurs un laboratoire, le Lab RH, qui rassemble des startups et des entreprises afin d'inspirer les ressources humaines pour le futur du travail. On vous posera une première question dans quelques instants. Soyez le bienvenu. Également à distance, madame Sandrine Lepontois. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et vous vous intéressez plus spécifiquement à la question des identités professionnelles. Vous interviendrez juste après Jean Pralon et cette intervention sera complétée par monsieur Nicolas Ménagier avec moi en plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes adjoint du département expertise et partenariat à l'IH2EF. Vous travaillez avec vos collègues pour proposer une offre de formation depuis la préparation au concours jusqu'au niveau de l'expertise dans les métiers de l'encadrement. Et vous nous indiquerez tout à l'heure justement quels sont les principes et les modalités que vous mobilisez pour la formation des cadres. On se retrouvera donc dans quelques instants avec Nicolas et on aura le plaisir d'accueillir en fin d'émission deux témoins, en l'occurrence dans un premier temps Madame Rachel Guillou. Bonsoir, vous êtes IAIPR, établissement vie scolaire dans l'Académie de Lille. Et dans un second temps, nous découvrirons le témoignage de Madame Lydia Berry-Lassemon. Vous êtes pour votre part responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'Académie de Guadeloupe. Bonsoir à toutes les deux. Bien, pour entrer dans le sujet, je vous propose de me tourner, comme je vous l'annonçais, vers Jean Pralon. Monsieur Pralon, comment abordez-vous dans vos travaux cette liaison entre trajectoire professionnelle et formation? Alors d'abord, ce qui est une dynamique de fond du marché du travail, c'est que les parcours de carrière qui autrefois ont été très normatifs sont en train de se diversifier. Se diversifier au sens où il y a beaucoup plus de postes divers à pourvoir dans les marchés publics ou les marchés d'entreprise. Et puis qu'il y a aussi une aspiration beaucoup plus forte de la part des individus à se réaliser par le travail et à espérer leur parcours professionnel, des choses beaucoup plus subjectives, des formes de réussite beaucoup plus subjectives. Donc ces deux éléments-là, une aspiration à une réussite beaucoup plus stridente ou criante chez les individus, et puis des parcours de plus en plus différenciés, bah, ça justifie qu'on essaie d'y mettre un petit peu de regard scientifique et objectivé pour répondre à quelques questions. D'abord, quels sont les parcours réels des individus? Comment est-ce qu'on peut les quantifier? Comment est-ce qu'on peut mettre de la mesure, hein, de l'objectivité dans ces descriptions-là? Et puis, comment est-ce qu'on peut expliquer les différences de parcours qui ne relèvent pas de différences de qualification, donc qui ne sont pas dues à des différences de formation initiale, et qui ne sont pas dues aussi à des différences d'appétence ou de déclaration relatives à des envies personnelles. Et l'idée, bien sûr, c'est d'aller plus loin que ce que nous dit la notion de projet professionnel. Alors, j'en parlerai un petit peu après, mais l'idée de projet professionnel ou d'employabilité sont des notions qu'on emploie beaucoup, qui mettent beaucoup en avant la responsabilité individuelle Et la question est un peu moins, en fait, de regarder la responsabilité individuelle et de faire des individus tout puissants qui sauraient très bien se débrouiller tout seuls, que de plutôt regarder les ressources qui font qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Et ça, donc, le premier point, c'est qui sont ces individus et quels sont leurs parcours différenciés, comment est-ce qu'on peut les quantifier, et ensuite comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences-là. Ça amène à parler des parcours en termes de satisfaction personnelle, donc comment est-ce que des parcours peuvent apporter de la satisfaction, comment est-ce qu'il y a donc des différences de satisfaction variées, donc comment est-ce qu'on peut être plus ou moins satisfait de son parcours et comment ça se construit, et puis aussi, indépendamment de ça, comment est-ce qu'on peut mesurer de la qualité dans les parcours, c'est-à-dire mesurer comment des parcours peuvent être plus ou moins qualitatifs, c'est-à-dire, par exemple, plus porteurs de formation régulière, plus porteurs de sécurité d'emploi. Alors, on parle léger à des gens de la fonction publique, donc le problème de la satisfaction est important, mais il y a aussi des questions de qualité d'emploi qui se présentent là. Et aussi, comment est-ce qu'on peut mesurer au terme dans le modèle de la qualité d'emploi, pardon, comment vont se construire des parcours dans lesquels il y a de la persistance, donc des gens qui vont s'engager dans des voies de formation, par exemple, et qui vont y rester durablement. Et ça amène à poser un modèle de la compétence à s'orienter, qui est justement le sujet principal sur lequel je travaille, c'est-à-dire comment est-ce que les individus sont capables de faire sens de leur parcours. Alors justement, on va rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Comment expliquer ces différents types de parcours? Alors, le principal élément, c'est justement montrer qu'il existe une compétence à s'orienter. Voilà. Et que cette compétence à s'orienter, elle est distribuée de façon un peu inégale entre les individus, qu'elle se construit, qu'elle se développe, et que la capacité à faire un projet professionnel, la capacité à choisir une formation, ça n'est pas distribué de façon égale chez tous les individus, et que gérer sa carrière, gérer son parcours, gérer ses envies de formation, c'est quelque chose qui demande des compétences particulières, qui s'appelle donc la compétence à s'orienter. Alors comment se construit cette compétence-là? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors sur des sujets un peu techniques, la compétence à s'orienter, c'est la capacité à faire sens de son parcours futur et de son parcours passé, au travers de quelques schémas cognitifs. Alors des schémas cognitifs, ce sont des croyances, ce sont les croyances qu'on a tous en tête qui nous servent à comprendre le monde dans lequel on évalue. Et la compétence à s'orienter, elle est basée sur quatre grandes croyances, quatre grands schémas cognitifs. Alors certaines sont relatives à l'organisation, donc quelles sont les contributions que je peux apporter à une entreprise ou à une organisation. Et plutôt pour ceux qui réussissent, c'est la capacité à projeter son parcours dans les besoins présents et futurs d'une organisation de travail. Alors c'est vrai que ça s'éloigne par exemple de l'évolution classique du raisonnement par poste, mais ça demande aussi de comprendre comment l'organisation va évoluer, quels seront ses besoins futurs et à se projeter dans ça. Il y a une deuxième composante, un deuxième schéma cognitif, c'est la relation aux collègues. Donc comment je vais construire des relations avec mes collègues, comment je vais créer des réseaux. Alors ces réseaux, ils ont deux fonctions, des réseaux positifs autour de soi, ça sert bien sûr à repérer les opportunités, mais ça sert aussi à se renseigner sur les métiers, à comprendre comment on peut travailler avec d'autres et comment on peut avoir une vision plus juste des emplois qu'on pourrait construire en connaissant des gens qui les connaissent déjà. Le troisième point de la compétence à s'orienter, et c'est celui sur lequel je vais rester un peu plus longuement, c'est sur la relation à la carrière. Qu'est-ce qu'on attend d'une carrière en fait? Et là, il y a deux familles d'individus, sans être trop caricatural, mais il y a quand même deux familles d'individus. Il y a des individus qui ont un peu la religion du projet, et du projet au sens de la vocation. Alors, je dirai un peu plus tard, mais le principal problème pour moi, c'est de faire la pédagogie du projet. Et que le projet professionnel, ça n'est pas une vocation. Si on est dans un registre qui est de croire en la vocation, bah on est dans ce qu'on a beaucoup décrit à une époque comme étant l'idéologie du don. Si j'ai la vocation pour un métier, ça veut dire que je suis fait pour ça et rien que pour ça. Ça veut dire que je suis infiniment doué pour ça. On n'a jamais vu des gens dire qu'ils ont la vocation pour le piano, mais dire après qu'ils n'ont absolument aucun don pour ça. Donc le raisonnement en termes de projet professionnel et de carrière basé sur l'idée de vocation et de don, ça amène à se limiter dans des métiers. Et les métiers vocationnels sont assez peu nombreux, et encore faut-il être sûr qu'on est fait pour ça. Donc raisonner en termes de projet et de confronter projet et vocation, c'est un problème. Ce qui fait que les gens réussissent mieux dans ces situations-là, c'est d'imaginer la relation à la carrière comme une relation beaucoup plus opportuniste. Alors opportuniste au bon sens du terme, c'est-à-dire essayer des choses, aller découvrir, se former peut-être pour rien en fait, se former pour apprendre, sans forcément avoir une idée de métier derrière. Bref, être dans une perspective où les chakras sont un peu ouverts et on peut être sensible à des opportunités qui se construisent avec le temps. Et imaginez que dans l'évolution d'une carrière, il y a peut-être des métiers, il y a peut-être des projets, il y a peut-être des fonctions, mais il y a aussi de la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à trouver des choses qu'on n'est pas allé chercher. Et donc là, il y a une dimension essentielle qui est d'imaginer que ça va se construire avec le temps et que l'idée de projet comme vocation, c'est sûrement pas une bonne stratégie. Et la quatrième composante, c'est un sujet absolument fondamental qui est très, très masqué en fait, c'est la confiance qu'on accorde au système. On est tous confrontés dans nos organisations, dans les entreprises ou les gens qui sont sur le marché externe du travail, on est confronté à des systèmes qui prennent des décisions pour nous en grande partie. Alors évidemment, ce système parfois il fait des erreurs, ce système parfois il a des biais, bref, il y a plein de raisons de croire que ce système ne marche pas très bien. Sauf que c'est quand même vachement efficace de croire que ce marché fonctionne plutôt pas si mal. Et donc, s'engager dans un parcours de formation, dans une démarche de carrière, dans une action d'emploi, dans un changement, en se disant que ce changement va activer des systèmes de mobilité, de carrière, des systèmes de gestion de carrière, des systèmes de recrutement, en pensant que ce qui va se passer là va être efficace et utile. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça aide bien à faire le pas en avant. Et au fond, ça rejoint ce que je disais avant, la sérendipité, la capacité à trouver ce qu'on cherche sans l'avoir cherché. Au fond, c'est faire des pas en avant, quoi. Et faire des pas en avant, c'est plutôt pas mal. Et imaginez que le terrain est assez efficace. Bon, vous venez de donner quelques clés déjà, mais je veux quand même vous poser la question, qu'est-ce qui serait à recommander pour un cadre soucieux de gérer sa carrière de manière optimale? Alors, une réponse un peu théorique et puis une réponse beaucoup plus pragmatique. Bon, je commence par la réponse théorique. Tout le monde parle de projet professionnel et je viens de le faire un petit peu. Qu'est-ce qu'on met derrière projet professionnel? Alors, je pense que c'est un sujet qu'on travaille beaucoup côté formation initiale, hein, côté SCO. Donc, il y a une éducation au projet qui se fait. Je ne suis pas sûr que dans la gestion de carrière des entreprises ou des agents publics, on travaille beaucoup aussi ce que c'est qu'un projet professionnel et ce qu'on met derrière. Donc, c'est quoi un projet professionnel et qu'est-ce que vous mettez tous là derrière votre projet professionnel? Est-ce que vous mettez un nom de métier? Je veux être, je ne sais pas, proviseur. C'est un nom de métier. Est-ce que vous mettez une tactique? Je veux apprendre telle et telle chose. Donc, mon projet, c'est une formation et on verra après. Ou bien, est-ce qu'en vrai, le projet, c'est pas au fond ce par où on est passé? Le projet, c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce mélange entre ce qu'on a fait, ce qu'on a acquis, et les projections qu'on fait à partir de ça. Donc, c'est un récit de ce qu'on a fait, c'est les acquisitions qu'on en tire, et puis c'est une projection vers la suite. Et c'est peut-être tout ça, un projet professionnel. C'est pas un nom de métier, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, là où je vais, et là où je pense que je vais aujourd'hui. Ça, c'est la réponse théorique qui pomme tout le monde, évidemment. La réponse que je peux faire qui est un peu plus pragmatique, c'est de traiter la question sous l'angle de 3/4. Et c'est de se dire, dans ce que je fais aujourd'hui, quel que soit mon métier, donc qui que soit celui qui écoute, il y a 3/4 dans ce que je fais. Il y a 1/3 de choses que je sais faire, mais qui ne me satisfont pas plus que ça. C'est un peu le socle. Il y a 1/3 de choses que je sais très très bien faire et que j'adore faire. Et puis il y a 1/3 de choses qui ne m'intéressent pas. Et c'est de se dire comment je peux supprimer 1/3 sur les deux. Comment est-ce que je peux remplacer le tiers d'activité qui ne m'intéresse pas du tout par 1/3 d'activité que je peux tester. Et un projet, ça pourrait être ça. C'est de se dire, je garde ce que je sais faire, que je fais bien, qui ne me passionne pas, mais je suis à l'aise avec ça. Je garde évidemment le tiers des choses que j'adore faire. Mais peut-être que je peux émettre comme une espèce d'excroissance comme ça sur remplacer le tiers qui ne m'intéresse pas par 1/3 d'autre chose. Et si je raisonne comme ça, qu'est-ce qui apparaît? Quel est le poste qui correspond à ça? Quel est l'environnement qui correspond à ça? Et du coup, on peut faire un petit pas qui peut être sécurisant. Alors, ce tiers, évidemment, on peut aller le construire par de la formation. Parce que ce tiers de choses qu'on ne connaît pas, puisqu'on est assuré des deux autres, on peut l'imaginer comme un projet de formation avant d'être un projet professionnel. Et donc, se dire, je peux aller découvrir cette activité-là que je ne connais pas encore en allant me former à ça. Très bien, merci beaucoup Jean Pralon en tout cas pour ce propos introductif à notre thématique. On reviendra vers vous tout à l'heure avec des questions du public et justement vous qui nous regardez derrière votre écran, je vous invite à réagir à cette émission en vous rendant sur la plateforme Menti. Le code va s'afficher juste en bas de votre écran et vous pouvez également vous rendre sur Twitter et réagir aux propos de nos intervenants avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission et je vous rappelle c'est la dernière émission de l'année donc profitez-en pour réagir massivement avant les vacances. On va passer à notre seconde intervenante Sandrine Lepontois. Rebonsoir. Vous êtes donc maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Les dynamiques évoquées justement par Jean Pralon impliquent des démarches actives à l'échelle individuelle avec en parallèle la construction ou le renforcement d'une identité professionnelle. Comment étudiez-vous ces déplacements individuels? Alors pour commencer, j'ai vécu ces déplacements dans ma propre trajectoire professionnelle. Donc je suis certifiée de lettres classiques. À l'origine, j'ai passé un CAPES, j'ai passé 7 années dans le secondaire et j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'enseignement supérieur sur un poste de PRAG, PRCE. Et dans la deuxième partie de cette carrière, en fait, j'ai pu reprendre mes études, notamment par une VAE, validation des acquis de l'expérience. J'ai aussi eu l'opportunité de mener une mission de conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que je formais en fait mes pairs, enseignants et enseignants-chercheurs, à la pédagogie, en faisant partie d'un réseau. Et puis, j'ai décidé ensuite de faire une thèse en sciences de gestion. Et aujourd'hui, donc, je suis en poste d'enseignant-chercheur. Donc, vous voyez, pour parvenir à ce stade de mon parcours, ben, j'ai forcément expérimenté personnellement diverses formes d'accompagnement par la formation, initiale et continue. Et j'ai dû me former de manière continue, à la fois de manière autodidacte, vicariante, c'est-à-dire par les pairs, et puis institutionnelle pour tracer cette trajectoire. Alors, l'idée, c'est vraiment de se poser la question, enfin, posez-vous la question, vous qui nous écoutez, qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie d'endosser une mission d'encadrement? De changer de poste? Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'écouter cette émission, là, tout de suite? En ce qui me concerne, ce qui m'a porté, c'est vraiment le sens de l'activité. J'ai besoin de me nourrir régulièrement, de prendre l'air, de nomadisme professionnel, en somme, mais aussi de pouvoir agir en collaboration et en lien avec mes valeurs. Donc, c'est ce qui a guidé, en fait, cette trajectoire. Et j'ai eu la chance que cette dynamique personnelle ait pu rencontrer un accompagnement RH sur la plupart des parties qui concernaient. Alors, en fait, la première opportunité d'élargissement de ma professionnalité, de mon identité professionnelle, ça a été cette intégration de l'enseignement supérieur, puisque j'ai eu d'autres missions, je n'enseignais plus uniquement. Voilà, j'ai fait la direction des études, chef de département. Alors, il y a des petite similitude avec chef d'établissement, hein, même si ça ne recouvre pas exactement les mêmes missions. J'ai formé des pairs en tant que conseiller pédagogique et puis maintenant, j'ai des missions de recherche. Donc finalement, entrer en formation à 3 reprises dans mon parcours m'a permis de me professionnaliser, de gagner en légitimité. Ça, c'est très important, la question de la légitimité lorsque l'on se forme, pour voir reconnues mes nouvelles professionnalités liées au développement de nouvelles compétences et puis enfin de construire ce qui est aujourd'hui mon identité professionnelle. Donc, la formation, finalement, moi, je le vois comme un processus pour accompagner le développement d'une professionnalité qui va impliquer forcément un déplacement, un changement d'identité professionnelle. Alors, ça peut être en partie sur un tiers, comme le disait Jean Pralon tout à l'heure. Hein. Voilà. La formation, donc, va permettre de s'entreprendre au sens générique, c'est-à-dire de transformer des idées, voilà, qu'est-ce que je veux pour moi, même pour les autres, en action pour créer de la valeur pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est l'un des objets de ma recherche, le développement de l'identité professionnelle des étudiants entrepreneurs qui portent des projets. Donc, ça rejoint, même si à la marge, ce qui a été échangé juste avant. Donc, la professionnalisation, pardon, en fait, elle se joue à 3 acteurs. Et ça, c'est super important. On n'est pas tout seul à se professionnaliser, en fait. Et les différents acteurs ont des motivations et des attentes différentes. Du côté de l'organisation, on a une intention de mise en mouvement. Voilà, on vous propose, on vous repère en vous disant bah, « Tiens, ce serait bien si tu passais le concours d'inspection ou de chef d'établissement. » Donc là, c'est l'organisation qui va vous pousser à, et vous allez vous dire « Pourquoi pas ?» Ça peut être aussi individuel ou de groupe. Là, cette fois-ci, c'est plutôt l'individu hein, qui est en demande de formation et de reconnaissance par l'organisation qui va accepter l'intégration dans un plan de formation, par exemple. Et puis, ça peut être l'individu et l'organisation, c'est-à-dire que là, une formation qui va être réussie va donner un statut, une possibilité d'accéder à un nouveau poste. Donc, finalement, c'est complexe, hein, c'est un processus. La professionnalisation, elle relève d'un processus qui comporte un dispositif de formation dans la perspective d'attribuer une professionnalité qui peut être nouvelle en tout ou en partie, c'est-à-dire un état qui forme une identité du professionnel qui est reconnu dans sa partie. On dit, bah, lui, c'est un bon professionnel, il est chef d'établissement parce qu'il sait faire ça, ça et ça. Donc, ça souligne l'idée d'une transaction, une transaction identitaire entre le sujet et puis son environnement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se joue cette transaction dans l'écosystème professionnel. Donc, l'enjeu et le défi du déplacement professionnel, c'est de passer de la périphérie au centre, c'est-à-dire la périphérie de la professionnalité que je veux atteindre, je voudrais être chef d'établissement. Comment je passe de la périphérie au centre à ce poste et comment je le légitime? Mais alors justement, comment on passe de la périphérie au centre dans le secteur que vous citez précisément? Alors, avant d'en arriver là, plusieurs étapes vont se jouer. Donc, le professionnel se trouve dans l'intention. Pour commencer, tiens, je passerai bien le concours, je préparerai bien le concours. Et donc, il est à la périphérie d'une nouvelle professionnalité visée. Et c'est un déplacement à la fois psychologique et physique. Le chemin pour atteindre le centre n'est pas toujours tranquille, hein, mais il est toujours riche parce qu'il va toucher à la modification de l'identité professionnelle, c'est-à-dire la façon dont l'individu lui-même se définit et se reconnaît au travail. Alors, je vais vous donner un exemple où ça n'a pas marché, que j'ai vécu. J'avais une mission de conseiller pédagogique. Nous étions 3 enseignants et enseignants-chercheurs soutenus par l'institution, par l'université. Donc, il y avait une mise en mouvement, mais pas de formation. La formation se faisait dans un réseau régional de conseillers pédagogiques qui, eux, avaient le diplôme de conseiller pédagogique dans leurs universités. Et finalement, l'université nous a dit très vite, mais quelle est votre légitimité à former vos pairs ? Finalement, voilà, OK, vous êtes formés en réseau par des conseillers pédagogiques, vous créez de la formation, mais ça n'a pas été jugé suffisant pour former des pairs. On était au même niveau. Donc, on nous a demandé de suivre des formations et c'est pour ça que je me suis retrouvée en VAE, en sciences de l'éducation, sur l'ingénierie de formation. Pour passer de la périphérie au centre, il est incontournable d'intégrer les codes, les normes, et là j'insiste, explicites et implicites. Il y a tout l'explicite, on va vous dire que pour rentrer en formation, il faut s'inscrire là, il y a telle démarche à faire, etc. Mais il y a aussi des éléments implicites, des soutiens implicites, voilà, qui vont être attendus. La culture d'une nouvelle communauté qu'on va intégrer, de futurs pairs, et l'idée, c'est d'entrer en relation, en réseau avec eux avant d'être reconnu comme l'un d'entre eux. Donc, en somme, cela nécessite une intention individuelle d'abord. Voilà, je souhaite, alors je donne un exemple, hein, passer chef d'établissement, inspecteur, il y a d'autres postes. Hein. OK. Une connaissance de l'écosystème de formation. Comment est-ce que je fais pour pouvoir me dégager du temps, pour être formée, pour atteindre cet engagement? C'est-à-dire, quelles sont les ressources disponibles pour atteindre le but, hein, au niveau personnel et institutionnel? Quelles sont mes propres capacités d'engagement? Quelle est ma capacité d'intégration des réseaux et ma capacité d'adaptation de mes attitudes et de mes comportements pour me façonner une nouvelle identité professionnelle? Et ça, en fait, y a quand même une grosse boîte noire, hein, sur cette partie-là, globalement. Donc, la formation, en tout cas, et tout ce qui se joue autour d'elle, c'est le véhicule formel qui permet de s'enculturer, c'est-à-dire d'intégrer une nouvelle culture liée à la nouvelle professionnalité que l'on vise. Je vais donner un exemple tout bête, hein, la pause de midi, vous savez, la fameuse pause de midi en formation où il y a énormément de choses qui s'échangent et où on va trouver que c'est la partie, des fois, la plus intéressante de la journée, d'échanger avec les pairs, parce qu'on va parler de l'implicite. Donc, ces différents déplacements impliquent forcément un changement de posture. Si l'on passe chef d'établissement, la relation aux collègues va changer. On a une asymétrie dans la relation hiérarchique avec les anciens collègues, une relation symétrique avec les nouveaux pairs, et le rapport aux espaces physiques change aussi. Je donne l'exemple de la salle des professeurs, on ne va pas l'investir de la même façon. L'identité elle-même professionnelle va être impactée. Donc finalement, entrer en formation continue, j'ai presque terminé. Hein. Pour devenir cadre, ça fait partie d'un processus de développement identitaire qui implique un haut degré d'engagement, des modifications de posture, une forme d'enculturation, une forte charge émotionnelle, ça c'est pas le sujet aujourd'hui, mais les émotions sont très présentes, face aux risques envisagés. Et pour terminer, entrer en formation, c'est intégrer un espace pour s'émanciper d'une activité prescrite et d'une activité réelle, pour reprendre les mots de Claude, du métier actuel que l'on fait. Finalement, entrer en formation pour devenir cadre ou évoluer, hein, comme cadre, c'est une opportunité de faire bouger les lignes de l'intérieur, de proposer des nouveaux modèles de fonctionnement pour accompagner les défis des prochaines années. L'idée, c'est de casser une forme de reproduction du cadre pour s'autoriser des comportements plus horizontaux, pour passer peut-être de modèles très asymétriques et hiérarchiques à des modèles plus collaboratifs. Hein, c'est ce qui est vraiment demandé dans tous les pans aujourd'hui de l'encadrement, fondé sur l'écoute et la confiance réciproque. Donc, finalement, si on veut changer les choses, il faut aller au centre. Si on reste à la périphérie, on ne peut pas. Donc, ça peut être aussi une motivation à se développer professionnellement. Et voilà. J'aurais terminé. Merci beaucoup. Merci Sandrine Lepontois pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous restez avec nous pour peut-être tout à l'heure répondre aux questions de notre public. Vous êtes nombreux derrière votre écran et on vous invite à réagir à cette émission en vous rendant sur la plateforme Menti. Vous saisissez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran pour poser vos questions à nos intervenants. Et puis vous pouvez bien entendu réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Il est temps pour moi de passer à notre troisième intervenant. Il est en plateau avec moi, Nicolas Ménagier. Rebonsoir, vous êtes adjoint du département expertise et partenariat à l'IH2EF. Alors on vient d'entendre les universitaires évoquer les carrières et ce qui se joue pour leur construction. Comment à l'IH2EF accompagnez-vous justement ces trajectoires professionnelles? Oui, merci. Bien, je reprendrai un certain nombre d'éléments, hein, que les collègues chercheurs ont développé très bien. Simplement pour insister dans un premier temps sur le travail autour du désir et de l'engagement que nous menons en formation. Donc le continuum de formation que l'Institut propose part effectivement du postulat que l'expérience acquise dans les métiers d'origine des futurs cadres ou des cadres actuels constitue bien sûr le socle sur lequel se construit l'identité professionnelle. C'est bien évidemment dans le parcours antérieur qu'on observe aussi que l'engagement ou le projet de devenir cadre prend corps et sens. Et c'est important car cela dit que les trajectoires individuelles sont plus marquées finalement par l'idée de continuité et d'ouverture que par celle de rupture ou de renoncement. Ce postulat a aussi le mérite de déterminer notre approche en formation. Il s'agira en particulier pour nous de savoir, bien sûr, mieux prendre en compte les compétences acquises, savoir les reconnaître pour permettre aux cadres d'en développer d'autres ou de les orienter sur une nouvelle responsabilité ou à un autre degré d'expertise. Et cela, ça change tout, en fait. Il y a 15 ans, par exemple, la formation des cadres proposait un modèle majoritairement collectif, à forte dominante transmissive, très centrée sur le partage d'une culture cadre généraliste. Il s'agissait d'acculturer d'abord, je dirais, avec toutes les limites que cela implique pour la prise en compte de l'engagement individuel et pour la compréhension fine de l'exercice professionnel. Aujourd'hui, nous leur proposons finalement un nouveau rapport à la formation en questionnant leur engagement aussi pour éclaircir progressivement les questions de posture ou les questions relationnelles. Jean Pralon évoquait aussi comment faire jouer la sérendipité dans les questionnements. Nous misons davantage sur la réflexivité, sur le collectif comme outil pour ancrer les professionnalités. D'emblée, on comprend que nous nous inscrivons dans un temps long, plus long, avec des acquisitions progressives dans les parcours, des parcours d'ailleurs moins monolithiques, qui favorisent le développement de dynamiques communautaires, voire de communautés d'apprentissage. D'une certaine façon, nous organisons des parcours de formation en privilégiant, et ça a été dit, je crois, une relation authentique à l'activité, en prenant mieux en compte les forces des personnes et le sens que chacune d'elles place dans son projet d'encadrement. Le deuxième point que je pourrais évoquer pour l'Institut autour du continuum de formation, c'est aussi le continuum d'accompagnement qu'on va proposer aux cadres. L'IH2EF couvre, vous le savez, tout le spectre de la formation des cadres, allant de l'accueil des viviers à des dispositifs visant plutôt l'expertise, en passant par toutes les formes intermédiaires, formation professionnelle initiale, formation professionnelle continuée, continue d'adaptation à l'emploi. Pour le vivier, par exemple, nous accueillons des cadres en accord avec les académies d'origine dans certains de nos dispositifs. L'objectif, c'est de les immerger, de leur proposer une immersion préparatoire à l'exercice de responsabilité et pour la construction de leur projet. Pour l'expertise, on peut citer bien sûr le cycle des auditeurs à l'IH2EF qui accueille sur une thématique annuelle déterminée un collectif de cadres déjà confirmés dans leur métier et pour accéder à un très haut niveau d'analyse sur le sujet traité. L'expérience nous montre d'ailleurs que ce cycle a pu déterminer des suites de carrière très positives. Dans un autre ordre d'idées et dans le cadre du réseau des écoles du service public, nos séminaires permettent un réel travail interministériel avec les fonctions publiques, les trois fonctions publiques. Ces séminaires, comme ceux sur les réseaux sociaux qu'on a menés récemment ou celui sur les sciences cognitives, sont autant de rencontres professionnelles et interprofessionnelles qui complètent et élargissent, et je crois que ça a été dit aussi, la culture d'élargissement, la culture des cadres. Nous accompagnons les cadres, bien sûr, pour l'acquisition de compétences spécifiques et transversales, pour les préparer à évoluer dans des environnements professionnels nouveaux. Je peux prendre aussi l'exemple, bien sûr, de la formation récente des directeurs des écoles académiques de la formation continue que vous avez cité en introduction, que nous venons de clore avec des cadres confirmés qui, donc maintenant, vont être prêts à assurer une direction très stratégique pour les académies, celle de la formation continue de l'ensemble des personnels. C'était aussi le cas avec l'évolution, le dispositif de formation évolution professionnelle des personnels d'encadrement, qui vise la préparation à l'exercice de responsabilité dans un environnement nouveau ou plus complexe, par exemple pour permettre à des principaux de collège de briguer un poste de proviseur ou pour permettre à des proviseurs de lycée de se positionner dans des environnements plus complexes où le pilotage stratégique est plus fin, plus important. C'est encore le cas dans des dispositifs que nous menons dans le cadre du plan d'accompagnement managérial où là également nous tentons de travailler des compétences ou des acquisitions comme ça a été évoqué sur le management des collaborations par exemple ou pour la conduite de projets stratégiques. Toutes ces formations à l'IH2EF s'appuient en fait sur un référentiel de compétences ou un référentiel métier. Ça c'est important parce que D'une part, ça clarifie les objectifs de formation et d'autre part, ça informe les cadres sur leurs acquisitions. Et donc, on est vraiment dans une posture d'accompagnement très filée à leur côté. Enfin, l'Institut dispose depuis cette année d'une charte Erasmus, ce qui veut dire, sous l'impulsion de notre directeur, que désormais, nous pouvons proposer à tous les cadres des mobilités européennes, internationales, dans l'ensemble de nos formations. Et bien sûr, ce dispositif est amené à monter en puissance dans les années prochaines. À chaque fois, dans les exemples cités, nous voyons que les accompagnements sont plus rapprochés, plus tutorés, parfois même mentorés, avec un travail entre pairs, supervisé pour favoriser l'expression de l'intelligence collective, évidemment, et entretenir des dynamiques personnelles de travail fortes. L'ambition de l'Institut, pour les cadres, est qu'ils construisent des compétences, bien sûr, y compris des compétences à s'orienter, comme évidemment l'évoquait Jean Pralon, pour sécuriser leur activité d'abord, je dirais. Ensuite, penser leur trajectoire, se projeter de manière aussi prospective et enrichir leur carrière. Enfin, le troisième point que je pourrais évoquer pour conclure cette présentation des formations à l'Institut, c'est que nous nous intéressons, sous l'impulsion du directeur aussi, Charles Torossian, au design de nos formations, c'est-à-dire à la manière dont on va savoir proposer un format de formation. L'Institut, c'est la maison des cadres. Comme toute maison, elle a son architecture, elle a ses espaces, très beaux par ailleurs. C'est une espèce aussi de tiers-lieu où se croisent, se rencontrent des universitaires, des experts thématiques, des responsables institutionnels, des inspecteurs généraux, notre vivier de professeurs associés que sont nos experts associés et puis aussi des partenaires de très haut niveau, souvent les meilleurs dans leur domaine, avec lesquels on travaille, on construit les contenus et les modalités d'animation. Ce sont aussi des espaces renouvelés, avec un laboratoire pour tester des solutions numériques et un centre de ressources et de la donnée, dans lequel nous développerons prochainement des modalités de formation. Je pense à la simulation, je pense aussi à la réalité virtuelle et la réalité augmentée en formation. Je conclurai en disant que les compétences construites, bien sûr, garantissent aux cadres une forte professionnalité, c'est bien sûr le minimum. Elles sécurisent leur activité, je l'ai dit, mais je le répète, c'est important, et elles procurent une ouverture vers d'autres postes au sein de nos deux ministères, enseignement scolaire et supérieur, y compris sur des postes fonctionnels ou de haut encadrement, en relais avec la mission pour l'encadrement supérieur de la direction de l'encadrement. C'est aussi probablement le pari que les compétences construites trouveront une place aussi dans un cadre interministériel. Voilà. Très bien, merci beaucoup Nicolas Ménagier pour ces propos très exhaustifs. Vous venez clôturer un peu cette première partie, vos trois témoignages de nos trois intervenants principaux. On va passer maintenant à deux témoignages qui vont illustrer les propos de nos trois premiers intervenants. Je vais me tourner donc vers Rachel Guillou et Lydia Berry-Lassemon. On va commencer avec vous, Rachel Guillou. Alors, vous nous le disiez tout à l'heure dans la préparation de cette émission, vous souffrez un peu d'une addiction à la formation et vous allez nous en parler. Je rappelle simplement votre fonction, vous êtes donc IAIPR dans l'Académie de Lille. Et donc, voilà, vous avez une petite addiction à la formation, parlez-nous-en. Oui, a priori, en préparant ma présentation, je me suis rendu compte qu'a priori, c'était quelque chose que j'avais développé, mais je vous laisserai le soin d'en juger quand j'aurai terminé. Donc, effectivement, la formation, c'est vraiment une clé, un continuum, comme ça a été dit par Nicolas Ménagier dans mon parcours professionnel. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un aller-retour constant entre le fait d'être formé, de former les autres, et qu'en formant les autres, en fait, on se reforme un petit peu soi-même. Et donc, du coup, j'ai dégagé autour de ça 4 temps dans mon parcours professionnelle qui me semble important autour de la formation. Dès mon entrée en fait dans l'éducation nationale comme professeur de lettres, je dirais que la formation m'a maintenue en forme parce que dès le départ, elle m'a obligée d'une certaine manière à une déformation constante, c'est-à-dire qu'elle m'a obligée à interroger mes habitudes. Je m'explique, j'ai accueilli des professeurs stagiaires dès ma 2e année d'enseignante, donc ça m'a donné effectivement une première posture de formatrice de terrain et puis j'ai été sollicitée pour faire des cours de didactique à des professeurs étrangers. Donc c'était aussi une première entrée en quelque sorte dans une forme de réflexivité. Et ça a généré chez moi un besoin de formation théorique supplémentaire. Donc j'ai de ce fait passé un Master 1 en FLE que j'ai ensuite poursuivi avec un Master 2 en linguistique. Et je crois que cette prise de hauteur pédagogique, ce regard transversal que la formation a pu me donner, m'a donné une envie encore plus forte de partager et de travailler sur une autre échelle, dans une autre dimension. Et c'est ce qui a, je pense, contribué fortement à mon envie de m'inscrire au concours de personnel de direction. Donc, je suis devenue à ce moment-là personnel de direction. Et ça a été une forme pour moi, presque avec le recul, hein, bien sûr, un laboratoire d'expérimentation, je dirais, de tous les ingrédients que j'avais déjà préparés autour de l'innovation pédagogique, des projets culturels sur les territoires, l'égalité de genre. On ne se refait pas, on garde un peu ses marottes, même quand on change de dimension. Et je voudrais dire aussi que dans cette fonction de personnel de direction, j'ai reçu beaucoup de soutien de personnes inspirantes, que évidemment, je ne pourrais pas toutes nommer, mais qui se reconnaîtront et je sais ce que je leur dois. Et aussi des marques de confiance très importantes et très porteuses de la hiérarchie, ce qui m'a laissé quelque part une marge de liberté pour la créativité et pour finalement avoir les ajustements nécessaires entre mes envies et mes attentes institutionnelles. Du coup, j'ai été aussi sollicitée de fait par mes supérieurs pour intervenir dans les formations académiques, dont celle pour les personnels de direction. J'ai participé aussi à des jurys de concours, hein, je donne quelques exemples. Et je crois que c'est des moments aussi qui sont des moments de formation, de recul, d'analyse, hein, qui participent en fait à une sorte de booster, on peut dire ça comme ça, si vous me permettez cet anglicisme. Et ça régénère en quelque sorte un besoin de formation. Et donc là, c'était des formations peut-être un petit peu moins théoriques, plus autour du fonctionnement humain et des organisations. Et donc, par exemple, dans toutes celles que j'ai suivies, je pourrais signaler celle que j'ai faite sur le management à l'école centrale, ou alors par encore une autre autour de la discipline positive. Et puis, j'ai eu envie même de reprendre encore un autre Master 2 par correspondance autour du genre. C'était une façon pour moi de repartir là à l'inverse du terrain vers la théorie. C'est aussi un processus intéressant. Et puis ensuite, dans un troisième temps, je m'aperçois qu'aujourd'hui, le temps de la formation, c'est complètement juxtaposé avec la posture de formatrice. C'est aujourd'hui totalement concomitant. Et j'ai effectivement la réflexivité qui s'est mise en place, la méta-analyse, je dirais presque que c'est une seconde nature. C'est pas très facile pour les gens qui travaillent avec moi et pour ceux qui me côtoient. Et je dirais que la mission d'expert associé à l'IH2EF, ça a vraiment fortement accéléré le processus. C'est vraiment, Monsieur Ménagier le rappelait, une opportunité de se nourrir des apports de la recherche à l'Institut et puis du lien aussi avec les acteurs de terrain. Et je pense que ça a été vraiment pour moi en tout cas une ouverture, une opportunité, une prise de conscience, de comprendre que la spécificité de ma formation littéraire qui au départ ne paraissait pas être un atout et peut-être aujourd'hui ma carte de visite un petit peu, je dirais ma spécificité, je ne sais pas si je développe vraiment un management poétique mais bon voilà. Et donc du coup j'ai été invitée par les autorités à rencontrer d'ailleurs à la mission pour l'encadrement supérieur. Et là encore, je trouve que ces petits moments, c'est vraiment des moments d'introspection où on prend conscience à travers ces échanges-là de la singularité de son parcours et ça ouvre aussi des perspectives pour peut-être passer sur une autre périphérie et revenir sur un autre centre pour reprendre les propos de Madame Lepontois. Et donc tout ça, effectivement, ça m'a donné envie encore une fois de changer après d'échelle de travail et de passer le concours, un autre concours, celui d'IAIPR EVS. Donc aujourd'hui, j'encadre, c'est le quatrième temps, hein, je ne sais pas s'il y en aura peut-être un cinquième ou un sixième, j'encadre des cadres ou plutôt je les accompagne et je crois que je me sers du cadre institutionnel pour aider, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, d'aider les cadres à se révéler et je tiens à le dire, ça m'enrichit énormément en retour. Du coup, en fait, aujourd'hui, cette addiction, elle s'est transformée en une inscription en thèse autour à la fois de la littérature, du genre et des valeurs de la République. Donc je suis dans une formation active, continue, je ne sais pas quel mot utiliser. Donc, ça fait 4 métiers, donc 3 fonctions différentes à l'éducation nationale, 2 ministères, parce que j'ai aussi été détachée à un moment au MAE. J'ai travaillé sur 2 continents, dans 3 académies. J'ai fait 3 Master 2 en 24 ans. Mais ce que je retiens le plus de tout ça, c'est les moments de rencontre. Tout à l'heure, ça a été dit, les opportunités. Il y a vraiment eu des alignements de planètes très très bénéfique et je pourrais dire, je pense que je me suis formée sans trop me déformer. Je suis un peu la même mais aussi une autre, j'ai peut-être un tout petit peu plus d'épaisseur mais c'est grâce aux formations mais c'est aussi grâce surtout à la confiance de toutes les personnes que j'ai pu former et qui m'ont donné beaucoup en retour. Voilà ce que je pouvais un petit peu vous dire de manière un peu rapide. Voilà. Merci Rachel Guillou. Rassurez-nous, cette boucle permanente que vous évoquez, elle vous permet quand même de dormir la nuit. Oui, j'essaye de dormir la nuit, oui, mais je continue de réfléchir et d'analyser. Et alors, est-ce que vous avez déjà choisi votre prochaine formation ? C'est pas loin d'être ça, et effectivement, mais là j'ai beaucoup de travail avec ma thèse et puis beaucoup d'activités, mais oui, en effet, j'y réfléchis déjà, vous avez trouvé mon addiction. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On va accueillir notre deuxième témoin, Lydia Berry-Lassemon. Vous aussi, vous allez nous témoigner votre parcours et puis votre histoire. Vous êtes responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'Académie de Guadeloupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pour appuyer les propos de nos intervenants de ce début d'émission ? Oui, rebonjour à tous. Donc, il m'a été demandé d'évoquer l'expérience menée dans l'Académie de Guadeloupe sur la préparation au concours. D'accord ? Donc, j'aborderai donc la question en 3 points. La communication qui concerne la mise en place de la formation, l'accompagnement de ce que nous appelons les préparationnaires dans l'Académie et l'utilisation de la préparation au concours comme un des leviers pour l'identification de potentiel. J'en dirai plus tout à l'heure. Donc, juste quelques mots sur l'Académie, sur les personnels. On a à peu près 7000 personnels enseignants, ceux qui vont se présenter au concours, hein, enseignants du premier degré, du second degré, personnel d'orientation et d'éducation. Et notre Académie est spécifique parce que cette région académique est un archipel composé de 5 îles et c'est un archipel, une académie qui a une taille qui permet d'effectuer des expérimentations. Donc, ça permet de comprendre tout ce que nous mettons en place dans le cadre de la délégation académique à la formation des personnels d'encadrement. Donc, la communication concernant l'ouverture de la préparation au concours des personnels d'encadrement s'effectue à la fin du mois de mai. Un peu comme dans toutes les académies, nous diffusons l'information sur les mails de toutes les unités éducatives, les CIO, les directeurs et les directrices, les inspecteurs du premier degré et du second degré. À cette publicité s'ajoute, et là ça reprend un peu ce qu'on disait, à cette publicité s'ajoute la communication effectuée par le réseau des anciens préparationnaires, par les formateurs qui identifient, qui repèrent des personnes susceptibles de se présenter au concours de personnel de direction et d'inspection, voire les inspecteurs eux-mêmes. Ces collègues sont d'ailleurs parfois sollicités dans le cadre des simulations orales pour préparer à l'admission, donc ça veut dire qu'ils voient de l'intérieur comment ça s'organise. Lors de la dernière présentation des concours, en juin dernier, hein, nous avions 54 personnels qui étaient présents et au cours de cette première séance, nous visons plusieurs objectifs. Nous revenons sur le métier de cadre en précisant, pour sortir des stéréotypes que peuvent avoir les futurs candidats, ce qu'est un personnel d'encadrement aujourd'hui. Nous revenons sur les droits et les obligations des agents du service public de l'éducation. Nous insistons aussi sur la question de la mobilité, parce qu'il y a une particularité dans notre académie. Tous les lauréats, que ce soit personnel de direction, inspection, seront affectés dans une autre académie, une académie d'accueil. Et donc, nous abordons également la question de l'engagement dans la formation, sachant qu'aujourd'hui, la préparation des personnels de direction représente 7 à 8 séances le mercredi après-midi pour préparer l'épreuve d'admissibilité, un petit peu moins pour les personnels d'inspection. Donc, à cette occasion, nous nous appuyons sur des retours d'expérience à chaud de lauréats de la session écoulée. Et ces témoignages doivent permettre aux futurs candidats de se représenter ce qu'implique une réussite au concours, ainsi que les conséquences qui en découlent. Conséquences professionnelles, car ils vont exercer un nouveau métier, ça c'est évident, mais aussi les conséquences personnelles et familiales, car ils auront à évoluer dans un environnement différent, à 8000 km parfois de leur famille. Ils repartent donc, ces candidats présents, avec des travaux de vacances, où une partie du magistère donc, qui est mis à disposition par l'IH2EF est mise à disposition. Le volet qui concerne l'entrée dans le métier, des questions comme celle-ci, nous n'allons pas du tout sur les thématiques à ce stade-là. Et ce magistère est le fil rouge. Et nous leur demandons quelque chose de fondamental, c'est d'ores et déjà à réfléchir sur leurs motivations parce que nous aurons à revenir sur ces motivations avec eux dès le retour, dès la reprise. Donc, pendant plusieurs années, nous avons affecté des formateurs référents sur cette période, mais nous sommes revenus sur cette organisation, car je pense que la maturation doit se faire seule à cette étape. On est pendant les vacances, il y a encore un petit travail de, voilà, pour se convaincre que c'est le bon concours qu'on souhaite passer. Alors, une remarque quand même, nous avons moins de candidats pour les concours d'inspection, Alors, une explication, hein, peut-être simplement parce qu'il y a moins de probabilité de retour dans l'académie après l'année de formation. Les personnels de direction peuvent rentrer dans les 2 ans. Ça reste exceptionnel, mais bon, on voit avec le mouvement de cette année que beaucoup sont rentrés. Or, alors que les inspecteurs, parce que parfois il y a un inspecteur de lettres, un inspecteur, ça sera plus compliqué de revenir. Donc ça, c'est aussi un facteur de motivation pour la préparation au concours. Donc la préparation débute en général la 3e semaine de septembre. Sur les 2 premières séances, nous distinguons 3 groupes de préparationnaires. L'entrée dans la formation est différente pour chacun des groupes. Par exemple, pour ceux qui étaient présents en juin, nous revenons sur les travaux de vacances et ces fameuses motivations. Les faisant fonction et les admissibles au concours qui sont déjà dans un processus ont davantage d'études de cas. Ils sont accompagnés, eux, par des tuteurs choisis parmi les formateurs de l'équipe, composés d'experts associés de l'IH2EF en partie. La démarche de l'équipe veut s'inscrire dans une réelle individualisation des parcours pour partir des besoins du candidat. C'est à mon sens un facteur de motivation à toutes les étapes de la préparation, c'est-à-dire l'épreuve d'admissibilité comme l'épreuve d'admission. Le tuteur met en place une relation de confiance avec le candidat qu'il suit au cours de l'année, ce qui contribue sur des moments de doute, voyez, sur des moments de baisse de motivation, de rassurer le candidat, voire de le raccrocher. Alors, ça ne fonctionne pas pour tous les candidats, bien évidemment. Et les candidats sont toujours dans une démarche réflexive. Sur certaines séances, pendant 1 heure, un candidat inspecteur et 1 ou 2 candidats personnels de direction volontaires doivent exposer sur une thématique sous le regard expert du référent académique de la thématique qui vient nourrir l'intervention. Cela contribue également à engager le candidat dans la démarche parce que là, on effectue un travail thématique. De même, les travaux de groupe qu'on fait sur les 2 autres heures pour travailler sur les études de cas. Nous insistons sur le fait que nous sommes dans le cadre vraiment d'une aide à la préparation qui s'inscrit dans une démarche personnelle où le rôle des formateurs est d'accompagner les candidats dans leur cheminement. C'est pour ça que nous menons à chaque fois un travail sur leur motivation, un travail par étapes sur des sessions où on re-questionne leur motivation. Certains des candidats n'adhèrent pas ou abandonnent parce qu'ils avaient soit une mauvaise perception du degré d'exigence que suppose la préparation, d'autres souhaitent mûrir la décision et font le choix de se préparer sur 2 ans, par exemple, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Pour d'autres, il existe un réel décalage entre la compréhension de ce qu'ils pensaient de la fonction de personnel de direction d'inspection et décident de ne pas poursuivre. Ça ne veut pas dire que ces candidats-là ne vont pas mûrir, mais hors de la formation, sur 1 an, 2 ans, parfois on les retrouve 3 ans après. Dans tous les cas, ces profils sont très vite identifiés par rapport à l'accompagnement qui est mené. De même que des candidats engagés et motivés qui s'inscrivent dans une réelle aspiration de transition, voire de développement professionnel, sont eux également identifiés par leur tuteur ou l'équipe, etc. Depuis 2 ans, ces personnels-là peuvent être identifiés, on est en train de mettre en place, hein, pour intégrer le vivier de la mission académique de l'encadrement, dont je fais partie, et en tant que CTEVS et en tant que DAF, et parce que je suis un des capteurs, donc, et je m'appuie aussi sur les différents formateurs, les inspecteurs, etc., pour vraiment s'assurer de la transition qui sera possible de faire avec ses collègues. Donc, notons que dans l'académie, les personnels admissibles au concours de personnel de direction d'inspection volontaire peuvent être appelés à faire fonction. Là encore, nous avons mené des entretiens et nous avons une forte proportion d'admissibles, de personnels qui ont été admissibles au concours, mais aussi des personnels que nous avons identifiés lors des préparations. À la session, pour finir, hein, quelques éléments, à la session 2022, 37 candidats étaient admissibles au concours de personnel de direction pour un total de 16 admis. Et par rapport à cela, une réflexion, ce qui est, voilà, quand même pas mal, mais une réflexion est en cours sur l'accompagnement des formateurs et des membres du jury de simulation. Enfin, lors de l'évaluation à l'aide à la préparation, les candidats disent apprécier cette formation car ils apprennent beaucoup, que ce soit ceux qui réussissent ou qui ne réussissent pas. Certaines thématiques ne sont pas proposées au PAF. Nous avons dû accepter les seuls inscrits car certains candidats venaient en auditeur libre et donc ça nous amenait à avoir plus de 80 préparationnaires et donc nous avons dû vraiment réduire le nombre en ne prenant que les inscrits effectivement à la formation. Voilà un petit peu mon intervention. Très bien, merci beaucoup Lydia Berry-Lassemon. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'Académie de Guadeloupe. Merci à vous cinq d'être intervenus dans cette émission. Il est temps pour moi de passer aux questions du public, celles qui ont été posées sur la plateforme Menti. Je rappelle que vous pouvez continuer de réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et alors justement, on a une question qui nous vient de la plateforme Menti. Je vais d'abord la poser à Jean Pralon et j'inviterai ensuite nos intervenants à y répondre également. Jean Pralon, selon vous, en quelques mots, comment rendre lisibles les compétences professionnels des personnels? Comment les valoriser? Donc en quelques mots en fait, hein, c'est ça. Merci d'avoir commencé par ça. Alors, lisible pour eux-mêmes, c'est ça j'imagine la question, ou lisible pour l'institution? Comment faire que les gens prennent conscience de ce qu'ils savent faire? C'est ça la question. Oui, complètement. Si la question c'est ça, la réponse c'est à deux morceaux. D'abord, il faut que les individus sachent nommer des compétences. Le problème des compétences, c'est que c'est une espèce de catégorie très générale. Donc, il faut des référentiels de compétences. Et je pense que l'Institut fait ça, hein, mettre à disposition des référentiels de compétences qui servent à savoir où on est attendu dans sa fonction et quelles sont les compétences transférables qui sont donc communes avec des fonctions adjacentes. Donc, le premier point, c'est savoir quelle est la rhétorique à employer. La deuxième chose, c'est de se positionner sur ces compétences-là et savoir quel est son niveau. Et pour ça, il y a différentes ressources. Il y a une seule méthode qui fonctionne bien, en fait. En vrai, c'est se comparer et comparer les avis qu'ont les autres sur soi. Donc, plus on va demander sur une seule dimension d'avis aux gens qui sont autour de soi, plus on a la chance d'avoir un avis qui soit pertinent, fait de ces différents regards croisés. Ça, c'était ma réponse en quelques mots, en fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas Jean Pralon. Je vais poser la même question à Sandrine Lepontois pour voir votre point de vue sur cette question. Justement, alors, de votre point de vue, comment rendre lisibles les compétences professionnelles des personnels, toujours en quelques mots? Alors, je travaille avec des étudiants entrepreneurs et on rencontre exactement la même difficulté. En fait, ils sont capables de nommer les actions, ce qu'ils savent faire, en fait, ce que vient de dire Jean Pralon. Par contre, c'est plus difficile de mettre des mots sur les compétences en tant que telles. Donc, deux possibilités. Soit il y a un référentiel qui existe, soit il n'existe pas. Et justement, par la pratique réflexive qui a été évoquée par le premier témoignage, je suis désolée, j'ai mangé votre nom. Cette pratique réflexive, en fait, qui est accompagnée, va permettre, en fait, de créer le cadre, les éléments clés des compétences d'un référentiel qu'on voudrait créer. Donc, on peut rentrer des deux côtés, en fait, sur cette question-là, soit par un référentiel déjà existant, soit pour le construire de manière vicariante avec les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Quels sont les niveaux qui sont reconnus dans la qualité de l'action. Merci beaucoup. Nicolas Ménagier, votre réaction au propos de nos deux intervenants? Oui, sur la lisibilité des compétences, je vais me placer bien sûr dans le premier schéma, c'est-à-dire pour eux-mêmes. C'est le plus important, il me semble, pour l'Institut que nous sommes, que d'être effectivement en capacité de révéler un certain nombre de compétences ou d'accompagner à l'identification des compétences nécessaires pour, bien sûr, mener le projet ou la carrière. Et donc, si on se place du point de vue des individus et des personnes, je crois que l'important, c'est qu'on soit capable à terme de proposer une forme de géographie générale des compétences de cadre, de manière à ce que chacun puisse à la fois se positionner selon un envie, selon sa temporalité, selon son besoin d'accompagnement aussi. C'est Jean Pralon et Sandrine Lepontois qui rappelaient que les besoins sont variables de ce point de vue-là. Donc, être capable de proposer une géographie globale à l'intérieur de laquelle chaque cadre va pouvoir prendre des décisions finalement, à partir effectivement de formations qui sont organisées autour de référentiels le plus fréquemment possible maintenant. Et puis ça renvoie quand même la question aussi sur l'évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'évaluer nous-mêmes sur l'acquisition de ces compétences et en quoi cette évaluation est pertinente, c'est-à-dire en quoi elle donne une information pertinente à chacun des stagiaires ou des participants. c'est-à-dire une information ou une rétroaction, un feedback, si on utilise un anglicisme à nouveau. Toutes les rétroactions ne sont pas pertinentes. Toutes les rétroactions ne disent pas des choses utiles pour les participants et les cadres en formation. Donc c'est un travail sur à la fois la précision d'un référentiel qu'on va utiliser pour la formation et la qualité des rétroactions qu'on sera capable de porter pour nos participants. Merci beaucoup Nicolas Ménagier, 17h55 ici dans les studios de l'IH2EF. L'heure pour nous de découvrir la présentation documentaire qui vous est proposée comme chaque numéro par Sylvain Paul. L'occasion pour vous de découvrir plus d'infos pour aller plus loin sur notre sujet du jour. Merci Marc-Antoine, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le dernier point ressources de la saison, de l'année scolaire en fait. Alors, avant les vacances, ô combien méritées, partons sur le site education.gouv.fr et plus particulièrement sur la page consacrée au métier de l'encadrement. Vous y trouverez toutes les fiches métiers ad hoc, des informations sur les carrières et les formations des personnels de direction, inspecteurs, encadrants administratifs. Toujours sur education.gouv.fr, je vous invite à consulter le rapport de l'IGSR piloté par Valérie Lacor et Yves Delécluse et publié en novembre 2020. Dans ce rapport, les auteurs émettent des propositions qui ont trait, je cite, à l'attractivité du métier d'inspecteur, leur formation initiale et continue, la valorisation de leur mission, la diversification des possibilités de parcours professionnels et l'accompagnement des mobilités géographiques. Encore sur education.gouv.fr, on ira consulter la synthèse de l'atelier sur l'encadrement du Grenelle de l'Éducation, Grenelle qui a été bien sûr largement évoqué au cours de cette émission par nos intervenants. Trois axes se dégagent de cette synthèse. Le premier qui concerne l'entrée dans le métier, la formation et l'accompagnement notamment. Le second aborde comment évoluer, circuler et sortir de l'encadrement. Et le dernier propose une réflexion sur l'exercice d'un leadership efficace dans sa fonction de direction ou d'inspection. Tournons-nous maintenant vers un ouvrage de la collection Profession cadre service public, édité aux presses de l'EHESP en 2019 et intitulé « La formation professionnelle dans les services publics. Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques ». Il y est question de la formation des agents publics, du recrutement à l'accompagnement des différentes étapes de la vie professionnelle, en passant par l'adaptation aux transformations des postes de travail et des organisations. Il propose des études de cas, des éclairages, des chapitres de mise en perspective. Penchons-nous à présent sur deux guides publiés par la DGAFP, outil de la GRH édition 2020, Agir pour un projet de mobilité professionnelle. Ce guide propose de fournir un cadre de référence et de repères pour agir dans sa volonté de mobilité à travers deux programmes pour se projeter et agir. Le deuxième guide, Politique d'emploi public édition 2022, Stratégie interministérielle pour l'accompagnement de la mobilité et de l'évolution professionnelle 2022-2024. Ce document s'adresse à tous les acteurs publics en charge de concevoir et de déployer cette politique RH au sein de leur ministère, de leur direction ou de leur établissement public. Il est issu d'échanges avec les parties prenantes au sein des ministères et des PFRH. Quelques données un peu plus anciennes, de 2013, sont compilées et analysées dans un dossier publié dans la collection INSEE Références et qui concerne les trajectoires professionnelles des agents de la fonction publique d'État. Le site, quant à lui, de l'IH2EF regroupe de nombreuses ressources concernant les carrières et formations des cadres, dont c'est le cœur de l'activité. Je citerai par exemple les podcasts du film annuel, notamment le chapitre sur l'accompagnement professionnel des personnels des EPLE. On y donne la parole notamment à Thierry Piot, Sophie Briquet, Anne Jorot, Jean-Marie de Kétélé, Richard Witorski et Luc Ria. On y trouvera également un entretien avec William Marois, ancien recteur de l'Académie de Nantes, qui aborde la question de la formation à l'encadrement de demain. N'hésitez pas à naviguer sur notre site, dans l'onglet « Développement professionnel » en particulier. Vous y trouverez par exemple un dispositif intitulé « Accompagnement à l'évolution professionnelle des personnels de direction, parcours hybride en 5 temps présentiel ou distanciel », qui s'adresse aux personnels de direction qui viennent de changer d'établissement et ou de fonction et qui préparent un projet de mobilité ou qui souhaitent conforter leurs compétences professionnelles. Peut-être avez-vous eu l'occasion de suivre le mardi de l'IH2EF de septembre 2021 consacré à devenir personnel d'encadrement et sa sélection de ressources associées. En parlant des mardis, je me permets de vous rappeler que toutes les émissions sont disponibles en replay ou en podcast et qu'elles sont toutes accompagnées de références bibliographiques ou cytographiques en lien avec chaque thématique abordée. Ben voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour la saison. Je vous souhaite de bons visionnages, de bonnes lectures ainsi que de bonnes vacances qui ne vont plus tarder désormais. Alors, bon courage à vous tous en attendant de pouvoir profiter de quelques semaines de repos en famille, entre amis ou en solo, pourquoi pas, hein. Profitez de ces moments précieux et je vous donne rendez-vous en septembre avec une version relookée de nos émissions. Je vous remercie de votre fidélité et si vous le souhaitez, envoyez vos questions ou commentaires via le formulaire de contact du site internet. Je suis bien sûr également à votre écoute, alors n'hésitez pas à me contacter directement si vous le souhaitez. Je tiens tout particulièrement à remercier tous les intervenants qui ont participé, ainsi que l'équipe des mardis qui m'accompagne depuis le premier numéro avec toujours autant de professionnalisme et de bienveillance. À très bientôt donc, et pour l'heure je rends la parole à Marc-Antoine pour le mot de la fin. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci beaucoup Sylvain pour cette synthèse documentaire qui sera certainement l'une des meilleures de la saison et il fallait attendre donc ce dernier numéro des mardis de l'IH2EF pour la découvrir. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir été si nombreux à nous suivre en direct et en replay tout au long de la saison. Je vais maintenant remercier les intervenants de cette dernière émission, à commencer par Sandrine Lepontois, maître de conférence en sciences de gestion à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Merci à vous. Rachel Guillou, vous êtes toujours d'ailleurs IAIPR, établissement vie scolaire dans l'académie de Lille. Merci pour votre témoignage tout à l'heure. De même, Lydia Berry-Lassemon, responsable de la formation des personnels d'encadrement dans l'Académie Guadeloupe. Merci à vous. Et puis, donc Jean Pralon, également à distance, professeur en gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. Merci d'avoir pris part à cette émission. Et Nicolas, enfin, vous avez pris part à de nombreuses émissions cette année. Vous êtes adjoint du département expertise et partenariat à l'IH2EF. Merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. Merci à tous d'avoir été si nombreux. Je le redis, mais c'était vraiment une super saison. Et merci encore une fois à toute l'équipe qui réalise cette émission qui permet la rediffusion en direct et en différé de ces mardis de l'IH2EF 2 fois par mois. On se donne rendez-vous forcément à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien, comme le dirait Sylvain. Profitez de vos vacances en solo, en famille, entre amis, comme vous le souhaitez. Belle soirée à tous et à très bientôt.